Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Je vais vous apprendre comment faire vous-même et pour pas cher un fond d'aquarium noir. Vous savez les fonds qu'ils nous vendent dans les animaleries avec parfois des petites décorations dessus, des roches, des bateaux, des plantes, enfin tout ce qu'on veut, qui existe aussi en modèle noir, blanc, bleu. Et ben moi je vais vous le présenter sous forme de sac poubelle. Alors, pour cette réalisation, vous allez avoir besoin donc d'un sac poubelle. Tout ce qu'il y a de plus classique, un sac poubelle noir, le plus opaque que vous avez si vous pouvez. Donc vous prenez le sac poubelle, vous l'ouvrez. Et vous avez une magnifique poubelle, voilà. Non, je déconne, c'est pas ça. Donc une fois qu'il est ouvert, vous allez découper un morceau grossièrement à la taille de la vitre de votre bac. Très grossièrement même. Voilà, vous obtenez un carré, plus ou moins. Après, on s'en fout, de toute façon, ça va bouger après. Donc une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre aquarium, donc là, c'est le sens normal. Vous mettez la vitre face à vous. Comme ça, au moins, là, vous êtes sûr, vous allez pouvoir travailler tranquille. Vous prenez un produit vitre. Tout simple, un petit coup de nettoyage avant application. Hop, voilà. Maintenant, vous reprenez votre produit vitre et là, vous l'aspergez généreusement. Vous reprenez votre morceau de sac poubelle et vous venez l'appliquer sur la cuve. Commencez déjà à maroufler à la main. On commence toujours en grossier et après on revient tranquillement dessus. Donc on l'étire bien. Toujours du centre vers l'extrémité. Hein. Ça c'est important. Pour bien chasser l'air et le surplus de produits qui restent. Donc là vous prenez votre cutter. Et puis vous venez longer. Pour couper l'excédent. Prenez bien appui sur la vitre et puis vous le laissez glisser tout seul. Bon, si possible avec une lame neuve, c'est mieux. Hop, voilà. Donc là, pour cette étape-ci, c'est terminé. Donc on réétale bien grossièrement. Voilà. Vous
pour les mains, glisse bien dessus. Vous pouvez mettre un petit peu de produit vite, comme ce que je viens de faire. Vous pouvez toujours le repositionner en forçant un petit peu en appui sur vos deux mains. Vous pouvez le déplacer. Vous prenez une petite carte fidélité ou autre chose. Voilà, et normalement, on devrait être pas trop mal. Alors voilà, c'est terminé. Le résultat est très satisfaisant à mon goût. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais pour quelque chose qui ne coûte rien, c'est déjà très bien. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouveaux tutos, des nouvelles visites ou autres surprises. Allez, salut !